Bonjour Bonjour ton ton tube. tube. Alors on arrive Nouveau sur Wartime, il y a eu découvrage. quelques petites modifs en scred. Tu peux. Oui, je peux cliquer sur ce monsieur. Avant la guerre, ce comptoir était rempli de marchands, de caravanes et de voyageurs. Ce serait bien de vous voir le reconstruire, de le voir reconstruit. Je peux vous y aider, mais il faudrait payer les artisans et acheter le terrain. Alors partons. J'ai envie de dire pas mon or! Pas Vas-y, mon tiens, prends mille or! balles, prends mille balles. On se débrouillera, on trouvera de la thune, t'inquiète. Ne bougez pas, les habitants du coin seront ravis de travailler pour des crowns sonnantes et trébuchantes. Bon, on n'a pas le droit de bouger, faut attendre. Non, faut attendre. Il a pas attendu. Eh, c'est moi, t'as vendu des artefacts? J'ai rien vendu. Menteur. Ils sont Donc là, on dans a construit le le petit coffre. marché. On peut déposer un compagnon ici? Mais ça fait quoi de jeter un compagnon sur un tabouret? Ah, Steven, non. on a d'un coffre de comptoir. Ça veut dire qu'on a enfin un coffre où on peut poser notre bordel en attendant. Ah, ok. Oui! Ah, on peut choisir de déposer des compagnons. Par contre, je vois pas l'idée de l'utilité de. Ah oui, y a un coffre ici. On peut déposer des trucs. Bon, on va rien déposer. On va faire ça, Shinai. Ben, on n'a rien à déposer à l'heure actuelle, à Si, part si. j'ai une pièce de puzzle. J'ai un reste d'objet. J'ai un rendez-vous des inquisiteurs. Ah non, ça, on peut Ça, peut-être le c'est garder. une quête. Ça, c'est une quête. Oui, bon, on l'a Moi, déjà là. je Voilà. peux déposer ça. Mais ça pèse zéro, je crois, mes conneries. Ouais, en plus, ça peut. Putain, attends, mais ça pèse zéro. Bon, bah, je les regarde. Vas-y, je les garde. Tu veux prendre le miroir à main? Ça coûte 15 C'est un balles. objet de quête? Non, c'est une Non, antiquité. oh, tu peux poser tes antiquités si tu veux. Tu peux les Bon, en garder dans le vrai. coffre de camp aussi, parce qu'elles ont l'air de peser R. Oui, Ouais, elles ont elle pas de poids, pèse hein, donc rien. tu peux les garder en fait. Voilà. Les codex, ça va aller Bah en fait, dans on le a fait quoi? coffre. On a construit la place du marché, là, c'est ça l'idée? Et Ouais, on parlons s'est à ce construit un. monsieur. Enfin, un bâtiment qui tient debout à Arthès. Vous pouvez utiliser le coffre pour ranger votre barda, blabla, coller vos compagnons sur ces tabourets aussi longtemps que vous le voudrez. Mais le plus important, c'est que je peux dès maintenant organiser vos trajets à destination des autres comptoirs que vous avez construits. Bah Non, tu c'est un vois. voyage rapide. Quelle est votre destination? Voyager. D'accord. Oui, c'est un voyage rapide. C'est un TP. Et ça t'enregistre tes repas et tout. Mais c'est quoi l'intérêt? Ah, esquiver la justice peut-être? Peut-être, oui. Mais en dehors de ça, sinon je vois pas l'intérêt. Ah, Bon, capturer bah une marchandise. va falloir tapiner mon grand. Ah, des marchandises? Alors, taxe sur les marchandises, 577, moi j'aime pas trop, hein. Ah, t'as vu, en plus. Non, c'est de la baisse. Bon, on s'est fait avoir, on a perdu 1000 balles. C'était bien. Ça, c'est pour les gens qui jouent en mode aventure. C'est vraiment. Le petit marché de Saint-Pierre, on avait acheté des trucs, on avait vendu des Bah, trucs. voir. Y a Et du rien lait en d'intéressant. promotion. Ouais, mais est-ce que ça nous sert à quelque chose? Crois pas, non. Et de toute façon, pour nos. Non. Bah en fait, ce que Non, faut que le. j'aille voir, c'est le camp. Faut qu'on aille au camp. Ouais, allons au camp. J'ai cassé le jeu de mon Oh, côté. ça charge. Ah, de mon côté, j'ai cassé le jeu. Ah, c'est bon. Oh, Alors, d'accord. on a séchoir à viande qui est sec de chez sec. Bah, Ah il oui, mais faudrait parce qu'il n'y a mettre plus aussi rien de. à... Non, non, il n'y a plus rien à bourrer dedans. On n'a Ah. plus de viande à bourrer dedans. Bah, tu peux mettre aussi du Stevie, vol. pourquoi Stevie? Ah oui, parce que... Alors, par contre, Peu de à temps. noter, ça, c'est un petit problème au jeu. Vu que j'ai mis Stevie sur un tabouret, quand il revient, il est tout seul au milieu de nulle part, genre. D'accord. On sait pas. D'accord. D'accord. Marmite. Le marmiton confirmed. Get power, faire du pain. Choc des cultures. Il me faut un héricoque de mouton. Là, il faut du cochon. Ok. Ah oui, il nous faudrait des pommes. Réponse, il nous faudrait deux pommes à l'occasion. Des pommes. Et j'ai toujours pas la recette de l'héricoque de mouton. Comment se fait-ce? Oui, le monsieur, il a Parce dit qu'on est fesses. on n'est pas allé la chercher, à mon avis. On n'a plus. Alors Ah, moi, de mon recruteur, côté. recruteur, votre sixième membre d'équipage. Un point. Par contre. Ah oui, on a 15 compagnons, donc on a quelques points, d'accord, ok. Et ici, là, on vient de dire commerçant, construire un comptoir. Allez hop.
Là-dedans, on n'a rien. Ici, on n'a rien. Ok, donc maintenant c'est en système de jauge. Bon, on va bien se galère avec Ouais. cette histoire, hein. Alors, de mon côté, je peux apprendre pas mal de choses, si jamais ça t'intéresse. Bah oui, vas-y, hein. Bah, on redébloque des choses, hein. On sera bien content. Alors, je peux aller chercher spécialiste de main gauche, ça veut dire qu'on peut porter deux armes, maintenant apparemment. Restauration, améliorer les kits de réparation. Répare 5 de plus. Art de la forge, votre troupe peut compter sur des forgerons passionnés et appliqués. Statistiques des armes forgées augmentent de 10%. Statistiques des armures. Oh, bah, je vais les mettre. Hein. Hop, ça je prends. Est-ce que ça vient de te le débloquer? Oui. Ok, parfait. Moi, Rationnement je pense strict. qu'artisan défenseur, c'est pas mal, hein. Je l'ai pas encore lu, attends. Rationnement strict, c'est moins 3. Ok, commerce de la forge. Le prix des armes augmenté de 10% par point de qualité. Prix de vente des armures augmenté de 10% par point de qualité. Ok. Les armures forgées ont un emplacement. Oui, carrément. Commerce de forge, en vrai, c'est pas déconnant, puisque le jeu va nous demander déjà de fabriquer ne serait-ce que 10 armes de Oh. tir 1. Pour aller débloquer des points, Attends. donc ça veut dire qu'on va en vendre du Attends. matos. Attends. Regarde ce qui vient de se débloquer, c'est récupérateur soigneux. Ça pète pas le traquet dedans, c'est ça? C'est ça. Retirés de leur emplacement ne sont plus détruits. C'est pas forcément intéressant immédiatement parce qu'en vrai on a déjà des armures qui sont faites. Mais oui, ça Ouais. deviendra. Alors que commerce de forge va être nécessaire très rapidement. C'est-à-dire que dès qu'on va se mettre D'accord. à forger. Parce que regarde, forgeron 1, Ouais. 10 armes de tier 1. Forgeron 2, 10 armes ou armures de tier 2. C'est-à-dire que si on veut débloquer du point, là, forgeron 3 y est déjà avec des armes et des armures tier 3. Il y a déjà Ouais. 30 matos à sortir et à vendre, hein, potentiellement. Alors moi, j'ai encore un point à dépenser dedans. Est-ce qu'on prendrait pas spécialiste main gauche? Ça ferait que toi, t'as un personnage qui a décidé de partir full dégâts. Alors, malheureusement, je pense que la restauration améliorée. Parce que n'oublie pas qu'on vient de perdre tous nos bonus de réparation d'armure. Hein. Ah oui, c'est vrai, c'est pour ça. On vient de prendre tarif, hein. C'est-à-dire que Alors, pareil, je ne maintenant. sais même pas si en fait on a conservé les bonus des livres qu'on a achetés. Si, ça j'ai regardé. T'as On regardé les a dans la encore. connaissance. Ah oui, on les a Ouais. encore. Ok. Ah oui, donc Alors. ça a été débloqué en plus de notre connaissance. Ok, d'accord. Voilà. Alors, Ah oui, maintenant, donc je non, en peux fait. en débloquer. Non, excuse-moi, tu peux récupérer ton point ou pas? Non, je peux plus rien récupérer. Dommage, parce que en fait, c'est ça que t'aurais dû me dire. Parce que vu que moi je l'avais pas regardé ce truc-là, on a encore si Ah. nos 4 bonus de réparation. De base. On a Alors, encore gonflé, on est à 5 bonus de rep. les salaires sont négociés à la baisse pour le bienfait de la troupe. T'es quoi? T'es en Là, commerce je et suis en artisanat? commerce et artisanat. Voilà. D'accord. Ok. Ouais, Oh, déménageur. bah, j'en ai déjà trouvé deux. Déménageur. Deux à prendre. Déménageur. Tellement. Déménageur? Non, non. Approvisionneur? Approvisionneur? Prix d'achat des marchandises réduit de 10%. Oui, bon, après, on peut aussi les emprunter. Ça arrive aussi parfois. Et il va falloir en Ouais. emprunter. D'ailleurs. Ouais, Mais mais on va oui, le prendre approvisionneur, c'est pas et il y déconnant. a marchand habile, 10% de vente augmentée. Ça peut être très intéressant. Est-ce que négociateur. Négociateur, bah, j'ai encore 3 points là à dépenser. Oh bah vas-y, prends marchand habile, hein. Coopérative, Moi c'est quoi j'irai ce solde versé aux chercher. compagnons réduit de 10%? Non, ça va aller. Je pense que. Alors, pour ma part, j'ai déjà une solde de 121 à verser. Je sais pas combien toi t'as Oui, mais versé. regarde, on a encore 900 balles. En fait, là, vu qu'on est en train de. En fait, on a réduit 10% nos coûts d'achat et on va augmenter 10% le prix des ventes de nos C'est vrai. marchandises. C'est vrai, c'est Quelque vrai. part, on vient de gagner 20%, donc bon, les 10% des compagnons, c'est bien, hein. Mais en vrai, je préférerais avoir des ménageurs qui me permettent de transporter des marchandises sur des kilomètres sans me dire, bon, bah les gars, on va encore marcher, quoi. Et je te Tiens. propose d'augmenter. Chaque poney de trait gagne 10 pour transport 10%. Ça peut être bien, on a que de ça. Alors, oui, mais tu voulais peut-être prendre négociateur. Ah, ou garder l'influence, c'est toi qui vois. Soit on s'en sert maintenant pour aller négocier un truc, soit Osef. On peut garder l'influence, on n'en a pas des masses. On a 53. Donc aller chercher le Et bah, chevaux soit les chevaux. coopératif, soit chevaux de. Déménageur, déjà c'est bien. Donc, par exemple, coopératif, si tu veux baisser les salaires, c'est pas mal. Du coup, Ok, j'y te reste un allez point. go. Et moi je viens de passer à 107, pas mal. Les Ok. crimes. Alors, Le crimes, qu'est-ce que crime! c'est? La jauge de soupçon se vide 10% plus rapidement. Ok. Si la troupe est recherchée, la vitesse de déplacement en forêt est augmentée de 20%. Ok, pas mal. Doigt de C'est pas mal. fée. Ouais. Doigt de fée réduit de 20% les soupçons lors Ça, d'un c'est vol. vital. Pas mal.
C'est important ça à apprendre, ça. Je peux pas dire mes doigts de fée. Ouais. C'est. Voilà. Attaque en traite. Oh, Brigand de ça grand peut être chemin, t'as lu? intéressant. Oui, bandit de grand chemin, j'ai lu, mais comme on n'attaque jamais de marchands, c'est peut-être pas Ah intéressant. oui. Bon, on peut s'en faire un petit là. Oh, oui, on peut faire Parce ça. qu'après tout, il y a un succès remporter 10 combats contre les marchands. Ouais, mais moi je vois un truc Non. encore mieux. Attaquer un ennemi dans le dos, ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la stratégie. Chance de coup critique lors d'une attaque dans le dos augmentée de 5%. C'est lâche. C'est lâche. Chrome n'est Non pas d'accord. létal. Chance d'assommer un ennemi de 20%. Augmenté de 20%. Ok, t'étouffes un peu dans ton micro, il doit être trop proche. Ah, peut-être, oui. Un petit peu. Ok. Accès au contrat d'assassinat sur le tableau des primes. Ça me parle Ah, aussi ou ça on peut pas? aller chercher. Oh, ça Ouais, peut être on pas va le mal, je prendre. pense. Ça nous ouvre des possibilités. Commencement d'un combat, vos compagnons ont une chance de déclencher un bonus de surprise ou d'embuscade sur le qui-vive. Ça t'intéresse pas non plus? Parce Ça que bon, m'intéresse assommer des connards, beaucoup. moi il me reste plus qu'une chaîne sur moi. Merde, j'ai pété mon fauteuil encore. En train de me saouler. Et maintenant, le mystère et connaissance. Alors, c'est parti. Durée de la course augmentée de 20%, c'est pas mal. Hein. Les compagnons Pourquoi sont prendre moins ça? enclins à subir des blessures au combat, bof. Instinct Bof. animal, les animaux ont une portée d'agression, mais non, arrêtez. Petite, et ça donne quoi? Ascétisme, la troupe mange 3 de moins, c'est toujours acceptable. Toujours Langage acceptable. des trappeurs, prix d'achat des objets de la guilde des traqueurs réduit de 10%, ça peut être sympa. Et Ça veut des dire 10% ratisanins, moins de nettoyer un temps. hydra rapporte 20 d'influence. Oh ouais, des ratiseurs, c'est cool. Hein. C'est cool ça. Parce qu'en plus, on en a Et encore à toi, faire. c'est Hein. quoi nettoyeur? Gain d'échantillon d'excroissance pestiférée augmenté de Allez. 1 pour chaque. Oh, ça je C'est le prends. validé, hein, c'est Ça je. validé direct. Ah oui, ça c'est. Voilà. C'est bon, il te reste des Et je points te ou pas? propose. Un point. Donc soit la course, soit le langage des trackers. Langage des trackers, je trouve ça sympa. Même si Ok. c'est vrai qu'on servira beaucoup plus de la course là maintenant tout de suite. Mais vu qu'on va aller négocier, enfin on va aller négocier, on va aller prendre nos contrats, on peut tout à fait aller se prendre un petit Nidra là, comme ça, dans le plus grand des cas. Ouais, sachant que Je j'ai encore commence notre. deux cerveaux infectés et sept excroissances pestiférées. Ouais, et en plus tu triches pour les récupérer en plus, c'est incroyable. Alors, je pense que ça a été patché depuis. Oh, pas sûr, hein, pas sûr, pas sûr. Hein. Je voudrais quand même faire un point sur les trucs de compétences que l'on a, qu'on possède, qui ont Ah, été mais YouTube te apprises. déteste, hein, si c'est ça. Ouais, non mais Ça va carrément, être je sais qu'ils hyper me long. détestent. Les Non, compétences qu'on a je. apprises. Quelles compétences? Quelles compétences? Oh, attends, par contre, il faut que tu regardes les connaissances, il y a des choses qui ont été nou qui sont nouvelles et qui sont assez intéressantes. Le plan de carrière est toujours là, la course est toujours là, ok, créateur d'exploits, machin, bidule, ça c'est bon. Il n'y a pas de changement. Dans l'atelier, Oh, par des contre, il y a des boucles de changements. rechange là. Ouais, les boucles de rechange ont l'air très très sympas. Les aiguilles aussi pour certains. C'est quoi les aiguilles? Coup Hein. critique, Ouais, je vais te parler. aiguille. Hein. Contre les cibles qui portent. Oh On a un oui, potal c'est ça. d'attelage qu'on peut aller faire tout de suite en allant réquisitionner un peu de sel. Un feu de camp, c'est quoi ça? Un Ah, feu de tu peux camp, on s'en créer un fout, feu de camp c'est maintenant? le truc que t'as déjà de base. Ouais. Gâte tes toilettes. L'atelier. La tente. Pourquoi d'ailleurs il y a des étoiles à côté de certains et. Ah parce que doit y avoir un plan plus plus, c'est ça? Je sais pas. Peut-être. Ou alors c'est ce qu'on a déjà. Ah non, Je c'est sais déjà pas. pris. Ok. Bon, de toute façon on s'en fout, c'est déjà fait. Tente, par contre, il considère qu'on l'a pas faite, hein, c'est très drôle. Parce Poteau qu'il y a deux tentes en d'attelage. fait. Le poteau d'attelage, ouais. Si tu peux me passer deux de bois, deux de cordes et 10 de sel. Non, non, je peux pas. Il faut qu'on aille réquisitionner du sel. Ok, bah allons-y. Mannequin d'entraînement, et il y a le mannequin d'entraînement, une étoile. Et il y a le séchant à viande, Ah! une étoile. Ça veut dire que c'est le niveau supérieur Ouais, il y a des du matériel qu'on versions a. supérieures du matos qu'on a. Donc en Ouais. gros, à mon avis, ils ont rentré des niveaux de tiers, on va dire, dans le Dans un peu matos. Bon, tout. la forge, tout a changé, c'est ça? Juste pour me faire chier. La forge, non, il Non, y a pas mal de ça a trucs l'air qui ont d'être changé. valide. Les noms ont changé, par contre. Ouais, la gueule des armes aussi à certains endroits ont changé. Ouais. Ouais, même plutôt bien changé. Ah, Ok, ça a pas trop l'air d'avoir t'as un bougé. set de forgerons compagnons maintenant. Qui n'y était pas. Ermite, et j'ai toujours pas fait un choc des cultures, ce qui me faut un héricoque de mouton. Faut vraiment que je trouve un héricoque de mouton à un moment donné dans ma vie. Et dans l'apothicaire, et de la poudre paralysante. La poudre aveuglante vient de popper, que je pourrais Oui, faire. parce que oui, ce que j'allais dire, elle est non faite. Tout à La fait, tout pelle à à faire. fait. Oh!
Tu as également l'antidote que tu n'as jamais fait. Ouais, et j'ai... Alors, je sais pas si on a un point... Non, on n'a pas un point, mais je peux apprendre la pelle à sel. Je dois avoir le... C'est bizarre, oui, parce que justement, tu peux l'apprendre. Eh bien, moi, je... Coup, si en sel, en sel, des plats sont réduits de 1. Let's go. Eh bah, go. Boum. Et pour le faire, il me faut du minerai de fer, du bois, du cuir et de la corde. On n'en a pas. Genre. Les... Non, on en a pas. On a rien, mec. On n'a pas de fer, en fait. On n'a pas de fer et on n'a pas de sel. Mais bon, et allons voir un marchand. Ouais. Alors, moi, ce que je propose, c'est d'aller voir Harris. C'est de lui acheter tout son sel, tout son blé d'or, tout ce qu'on y a, tout son miel. Et d'aller voir Vicior et que tu lui défonces ses poches. Alors, voilà. J'ai un voleur compagnon. 25 à 40 pour les 20 sel. Allez, c'est pris. Oh, 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 oh. Tu te prends un petit steakos de cochon, là. Les 10 Ouais. Ouais, il nous reste un peu de marge. Je propose d'aller voir la madame et de lui réquisitionner ses haricots. Tu veux bien nous réquisitionner ses haricots, s'il te plaît? Et lui dire, madame, j'ai l'impression que c'est la fin des haricots. Et tiens, ça a été tout mis dans le... Parfait. On peut donc... pas tout? Il te fallait du sel, gros. Ben oui, mais tu l'as pris. Oui, mais le sel, il me faut d'autres choses. Oui, il te faut quoi d'autre? Alors. Pour le poteau d'attelage, pour le poteau d'attelage. Corde, je suppose. Il me faut de la corde et du bois. Deux de corde, deux de bois. Deux cordes, deux bouts de bois. Ça, c'est fait. C'est livré. Il m'en manque un bout de bois. Ah, il m'en a pris qu'un. Ah, oui, ouais. Drôle. Tac, c'est quoi, tac. C'est machin fabrication. Qui me permet deux. Ah non, je peux que le prendre et le déposer. Je peux en prendre plusieurs. Bonus, les poneys assignés au poteau d'attelage gagnent 20 de transport. Allez, ma grande, va falloir bouger. Va falloir. Excusez-moi, je déplace votre potal. Et maintenant, je déplace mon ponal. Voilà. Est-ce que je peux déplacer d'autres ponals? Oh oui. Deux en tout. Comment ça, deux? On a quatre poneys. Deuxième potal d'attelage. Schnell. Vas-y. Deuxième corde un, deux. Deux cordes. Deux mais cordes. On a plus de sel, ça veut dire. Comment ça, on a plus de sel? Bah vas-y, on a plus de sel, hein, tant pis. Hein. À part si, on arrive à faire une pelle à sel. Ah! Mais est-ce que tu peux faire une pelle à sel? Oh, attends, je peux en faire qu'un seul de poteau d'attelage? Ah bah ça. Ça aurait été trop bien pourtant. Ouais. Oh, alors, je peux créer une bannière. Cette bannière représente votre groupe compagnon assigné. Un lieutenant assigné portera fièrement la bannière dans le monde. Voilà, c'est un lieutenant assigné. Un lieutenant, mon lieutenant. Ouais. J'ai entendu, hein. Il est où le lieutenant? Il faut 4 tissus et 2 de bois, s'il te plaît. Le lieutenant, en plus, il est obligé de pioncer. Combien tu m'as dit? 2 de bois et 4 de tissus. 2 de bois et 4 de tissus. Je crois qu'on peut pas le faire, gros. Ah, si, c'est bon. J'allais dire mince, le tissu, pourtant, on en avait ramassé des tonnes. Pourquoi ça m'en donne que par 5? C'est rigodrôle, ça. Je veux tout. Voilà. Lieutenant, mon lieutenant. Ah, lieutenant Will. C'est juste pour... Il est vraiment assigné, là? Ah oui. Je sais pas, est-ce qu'il est lieutenant? Oui, c'est bon, il est... Oui. Voilà. Respectez mon autorité. Ah! Oh, attends! Le respect attends. Fais un clic droit dessus, s'il te plaît. Ah, on peut choisir le drapal. Ouais, ah, on peut y mettre de l'influence. Pour mettre de l'influence. Ah ouais. Bah, va falloir tabasser des trucs, je crois. Hein. Ouais. Oh, ça, c'est sympa, le truc qu'ils ont fait. Attends, innocence feinte, c'est quoi ça? Votre groupe est considéré comme n'étant pas recherché si un délit est perpétré, l'effet de ce bonus est annulé. Ah. Ça veut dire que là, si on le met, on n'est pas recherché. Appliqué. Nous avons un superbe drapeau qui est rouge et or pour l'instant. Rouge et or, si tu le dis. Pour l'instant. Si tu le dis. Et après, il y aura du bleu. Il sera aux couleurs du lieutenant, mon lieutenant. Parce que c'est son drapeau. Pas celui de la compagnie. C'est son drapeau. Alors, je vais faire un petit tour vite fait ici. Cuisson, steak, patate, tout ce qui traîne là. Attends, je regarde. Je peux avoir la pelle-pelle ou pas?
L'appel pelle, il faut que j'aille dans l'apothicaire. Faut que j'utilise mon apothicaire. Ah, c'est chez la... Bah vas-y, vas-y, let's go, hein, parce que... Il va me falloir... Attends, il y a des choses à voler sur le monsieur, là. Attends, deux secondes. Ah, alors, je peux une pelle à sel... Non, on pourra pas la faire. Pourquoi? Il faut du minerai. Il faut 4 de minerai, 3 de bois, 1 de cuir et 1 de corne. Dommage. Il y a des choses à emprunter sur Emilis. On va aller regarder ça tout de suite. Parce que toi, il y a peut-être des choses que tu peux faire avec 2-3 plantes à la con, peut-être. Ah oui, mais c'est toi qui les as, les plantes, c'est toi qui vois. J'ai quasiment pas de coussonne. Ouais, mais ça, il en a pas. Il en a pas. L'huile de poisson, ça, j'en ai. À la limite, les remèdes contre la peste, si on peut les prendre. Bah, surtout, n'oublie pas que ce qu'il va falloir faire, c'est à mon avis aussi des tonnes de potions, parce que j'ai pas vu les potions dans les connaissances, mais à mon avis... Dans les objectifs, il n'y a pas des fabrications de potions, il n'y a rien, je sais pas spécialement si, regarder. Si, si, voilà. Mais là, ça vaut pas le coup de prendre les remèdes 55 à 95. On passerait au-dessus. Ok. Voilà. Et allons voir le forgeron, peut-être qu'il vend d'autres choses maintenant, lui. Elle, pardon. Solacé. Je crois t'en qu'on as combien de matériaux bruts, toi? 73. J'en ai 11, c'est largement suffisant. Large. On peut même sortir d'ici. Il va falloir qu'on passe à la taverne. Ouais, go taverne. Parce qu'il faut récupérer d'autres missions. Moult missions. Et un Kandra. Yeah. D'ailleurs, on n'a pas un bard pour les codex machin, je sais pas quoi là. Non, ah si, si attends. Ceux-là ils sont déjà faits, je crois. Peut-être déchiffrer au lutrin. Non, il faut faire un lutrin. Ouais. Si les runes suivantes sont apprises. Ah, si les runes suivantes sont apprises. Donc, non, il faut d'abord aller trouver les runes. Ok. Bon. Il va falloir aller faire des tombeaux. Ce tombeau sera votre tombeau. Alors, bah, en parlant de tombeau, est-ce qu'on lui prend un tombal? Alors, honnêtement. Ouais, c'est une quête moyenne, oui. Okay. Et. Je te dirais de prendre maximum les moyens jusqu'à ce qu'on ait assez pour apprendre la négociation des trucs. Parce que sinon, ce serait jeter de l'or par la fenêtre. Bah moi je prends rien d'autre à part sauf si tu veux te tâter une petite mission facile d'assassinat qui est dans le sud puisqu'on n'a pas encore parfaitement exploré le sud. Ouais, allez, go. Allez. On peut y aller, ouais. Une petite tranquille peinard, voilà, c'est très bien, c'est parfait. Oh là là, l'emplacement est magnifique sur la carte, je sais pas si t'as vu. On ne peut en prendre plus que 3. Ah, ça fait mal ça. Bah c'est... Oui, bah, c'est et faut aller au marché. Merde, j'ai... Qu'est-ce que tu veux faire au marché? Au marché, voir s'il y a encore des cargaisons à prendre. Ah, oui. Non, rien. Non. Par contre, il y a de la couscous, hein. Ouais, là, il y a de la couscous. Il y a de la couscous, il y a de la corde. Est-ce que tu lui raquettes pas tout ça un peu, là? Puisqu'on va se balader. Voilà, c'est ça. Baron. Je te laisse peut-être mettre ça dans un coffre, si tu veux. Ouais, mais ça veut dire que tout ça... Attends. Hop. Hop. Et hop. Et il va falloir que je mette... Non, mais c'est pas qui est le voleur du crew? Qui est le voleur du crew déjà? C'est Sophia. Bah, c'est. C'est Sophia. Voilà. Sophie. Et tu peux remettre un. Un gars sur le feu de camp si jamais tu veux. Bah attends, déjà je vais essayer de claquer aussi tout ce qui est volé en termes de marchandises. Ok. On va se claquer des rats de goût de cochon dans le buffet. Alors, il y a deux choses à faire là. Récupérer. Du fer, idéalement. Ok. Comme ça, je te fais l'appel à sel très rapidement. Et puis voilà. Bah écoute, dans le sud, je suis pas sûr qu'il y a du. Mais allons-y, hein. Allons-y, parce que YouTube attend depuis très très longtemps. À première vue, si dans les voies, il y a des trucs qui ont été encore débloqués. Oui, vol à la tire. Ah ouais. Nous avons gagné un point avec vol à la tire. Ah. Moi, je ne vois pas. Donc, c'est à toi de dépenser là. Ah, c'est bizarre, mais je sais même pas où est-ce qu'il est ce point, je le vois pas. Je peux rien apprendre, j'ai pas de point. Voilà. Ah bon? J'ai juste passé le premier palier, visiblement. Ah, parce que moi j'ai tout au niveau 5. Oui, j'ai tout au niveau 5, mais je veux dire, on vient de valider un vol à la tire. D'accord. Là, tu dois être sur 10 sur 50. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce qu'on tu viens de voler 10 items. D'accord, et un PP, c'est quoi? Bah c'est pour passer les niveaux là, t'es à un PP sur 25. Ah ouais, d'accord. Oh purée, oui. Il va sûrement nous débloquer d'autres choses dans la liste par la suite. Nous verrons bien. Ok.
Qu'est-ce qu'il nous dit? En attente de Shinai. Nous sommes en attente de Shinai. S'éloigner. Et il va... Attends, ah oui. Non. Ah oui, mais non, il faut, bah, se... faut camper. Faut camper. Oui, alors non, faut pas camper d'ici. Faut camper de là. Voilà. Ça fait être un drame. Je te laisse... Oui, je crois qu'il faut que j'arrose... Ah, on a deux alcooliques maintenant? Ouais, on avait deux alcooliques, ouais. Oh là là là, merde. Lourder du lourd. On va se mettre ça. Et puis ouais. Une, deux picoles. Des petites viandes. Petites viandes. Petits champignons. Parfait. Et on est bon. On a 10% de chance, je pense, de se faire attaquer. On ne sait pas. A gagné 45 points d'expérience à l'entraînement. Félicitations, elle. Grande Fifi. Ah! Steven! Steven, ça y est, j'ai voulu l'abandonner. Maintenant, Steven, il a quelque chose à dire. Si seulement mes parents pouvaient me voir, ils seraient tellement fiers du guerrier que je suis devenu. Ah, un point d'attribut. Bah, montrer. Un point d'attribut, hein. Ouais. Voilà. Tu vas faire ton petit level up. Hop là. Oh, d'ailleurs, est-ce qu'il y a des compétences qui ont changé? Parce que ça Steven! Ouais. Je sais. Non, rien n'a changé. Un point d'attribut? Améliorer force. Comment ça? Genre j'ai pas le choix, genre... Ah oui, c'est genre juste plus un point qu'il a, hein. C'est pas... C'est plus un ou c'est genre je vais passer à 32? Ouais, je vais passer à 32. Ok, il est plus fort. Il T'as est plus musculeux. T'as utilisé le plan de carrière ou pas? De quoi? T'as utilisé le plan de carrière? Bah on peut pas, on l'a plus. Et on l'a? Ah si, on l'a encore. Oui, mais non, j'en avais pas besoin, il y avait double plus... Ah, il y avait le double. Ok. Double plus plus. On est à 73 d'influence, hein. On pèse lourd, hein. Ouais. Nous pouvons nous éloigner des marchands. Oh merde, on aurait pu tabasser des marchands. La justice, oh la justice. Il va y avoir des marchands. Est-ce que tu veux qu'on les attaque? Avec la justice à côté? Non, ça va arriver en renfort. Bien. Ok. On va attendre que les choses redeviennent plus cool. Alors déjà, est-ce que par ici, il y a une touche pour mettre en surveillance, hein? Je crois que c'est CTRL ou c'est ALT, je sais plus. C'est ALT gauche. C'est ALT. ALT gauche. Ah oui, je vois de la couscous. Ouais, couscous. Et là, en escaladant dans les montagnes, je suis sûr qu'on peut trouver une grotte. En montant. Ouais, on a pas déjà visité ce truc-là? Si, si, on a déjà visité, hein. T'es sûr? Ouais, oui. Regarde ta carte. Maintenant, est-ce qu'on est rentré dedans? Moi, je pense que oui. Mais Récemment, je sais pas. Il y a des cochons, en tout cas. Ça, c'est une bonne nouvelle. Des cochons dans la forêt. La grotte qui fait agro à gros. Oh, du métal! Du métal! Y a du métal! Métal! Il y a eu moult changements quand même, hein? Oh, ça va, ça va. Et ma souris qui déconne, c'est vrai que c'est pas. Ruby Saphir, hein. On vient de se refaire un billet, hein. Super! Deux rubis et un saphir. C'est mis bien. Hein. Ah, il y en a un qui est en train... Attends, ah, mais... Il y a un mec au milieu. Bonjour, monsieur. Ne dites à personne que je suis ici, s'il vous plaît. Je vous en supplie, gardez le silence. Les gens de Préno veulent me tuer. Ils disent que je suis un pestiféré, mais c'est faux. Mes parents étaient déjà morts. Il n'y avait rien d'autre à manger. Je ne pouvais pas faire autrement. Laissez ce malheureux tranquille ou on tue le jeune cannibale? Il a bouffé ses parents. Allez, ça dégage. Et maintenant, tu boufferas les pissenlits par la racine, bâtard. Voilà. Nous sommes l'exemple de la justice. Super. Bonjour. Oui, on l'a tué. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, ma brave dame. Ah, formidable, vous avez bien fait. Il faut jamais laisser un pestiféré, blabla. Nous prenons les 10 balles. Merci. On peut pas les attaquer maintenant, on a faim. Oh putain, déception. Déception perpétuelle. Cochon? Oui, on peut. Est-ce qu'il nous donne du cuir? Non, il nous donne rien, je crois. Enfin, il nous donne si, de la bouffe. Il donne du cuir, eux. Chargé! Attaque surprise! Ouais! C'est pas une embuscade, dommage. C'est déjà cool.
Je me vois à 9 sur 8 points de bravoure. C'est pas improbable. Alors... Le tourbiloliste, il est au centre. Des lieutenants. J'en ai une. Oh, pour le fun, j'ai envie de mettre un lieutenant de chaque côté. Mon mur, à mon beau mur. Ah oui, c'est vrai, j'ai 3 archers moi. Ok. Puis-je me permettre de vous ramener un mur? Taurus, tu sers à rien, tu iras tout seul dans un coin. Parce que t'as vraiment aucun ami. Il y a 2 places devant mes archers. Ah, si tu veux, hop. Et bien Taurus, moi pour moi c'est bon, ça me paraît bien, ça me paraît convenable. Moi je pense qu'un petit os de barbe, punition de Dagan, le logo a changé légèrement aussi. Petite punition. Alors est-ce que petite punition ça va toucher que 2 ports encore hein. Ouais, c'est ça. Ça hein. Touche déjà 2 ports. Ah non, 3. Est-ce que je pourrais... Non, ah, il faudrait que je recule d'une case, mais je suis pas sûr de toucher l'autre. Alors attention, hein. On tente les tricks. Oh là là. Tournez manège. Oh, ça a carrément rame du fiac chez moi, je sais pas pourquoi le jeu rame. Ah, c'est triste, il y a pas de triste. Vous avez débloqué le trait Fléau des bêtes. Cool. C'est pas déconnant, Fléau des bêtes. Vous avez l'humour de bourrin là, ouais. Sacrifice. Attendrisseur de viande. Dommage que j'avais pas assez de mouvement. C'est à qui de jouer là? Okay, ça va être bah, lui, là-haut. Ça a l'air d'être loin. Si jamais il y a des choses que tu veux placer. Alors je vais aller placer. Comment on fait pour ping déjà? Clic molette. Je vais aller placer un Zinlen ici, derrière os de barde. Taper un des. Je vais faire des dingueries pour ton tube, un navré ton tube. Je fais des dingueries. J'aimerais voir pourquoi le jeu rame. Non, mon prof il est ok, hein. Mon prof il me dit y a the problème, je sais pas c'est quoi. C'est peut-être. Bah non. Voilà. Je sais pas. On ne sait pas. Zinlen, le fameux qui ne sert à rien, évidemment. Voilà. Tout le monde s'en rappellera. Comme là il en a 3 dans sa... Là il a les 3 dans sa zone. Marche pas dedans. Et il a marché dedans, cette espèce d'abruti. Mais vas-y, hein. On adore. Tu recules. Ouais. Et t'as collé Zinlan à personne? C'est un joueur solo, Zinlan? Non, c'est juste qu'il avait pas assez de déplacement pour. D'accord. Pour coller. Et ben hop, on s'arrêtera là, brutalité suffira. En espérant que Zinlan soit assez fort pour réussir à tuer un cochon. Ouais, normalement. Bon, oui. Tu peux peut-être bouger tes archers de merde. Oui, je vais bouger mes archers de merde, comme tu dis. Enfin, excuse-moi, c'est Edenal, le meilleur des archers, excusez-moi. Ah, triste. Alors, on sait pas, son nom me dérange tellement. Je soit sais. Soit tu lui donnes un vrai nom, soit tu l'appelles on ne sait pas en français. Les anglicismes, ça me bute. Ça me bute, les anglicismes. Comme le manque de café, d'ailleurs. Insuffisant. Ouais. Mon crew subit donc des blessures par ton incompétence. J'avais déjà décidé d'en subir. Je peux pas bouger grand chose là. Ah mince. Ah ouais, non. Oula. Si, je peux bouger un capitaine. Vas-y, j'ai un capitaine, mon capitaine. Brute pas de paix. Comme il a pas d'armure. Ah. Un coup de pied critique. Non. Non, je vais claquer. Ah, ça le tue pas le bâtard, mais le nombre de pefs qu'il a, cet enculé.
Bon, il me reste encore des techniques de capitaine ancestral. Compact. Avec le qui permet de faire ceci. On devrait avoir quelques points. Ouais. Tu vas me le tuer ce pas ou pas? Oh non. Tu recules. Oh la compétence, hein. Incroyable. La dite compétence, tu recules. The Last Archer. The Last Archer. Show must go on, hein, j'ai envie de te dire. Et pendant le cochon du mid. Celui-là là ? Non, celui-là là. What ? C'est pas très convaincant. Elle a pas des. Elle a pas un arc très très fort, elle a toujours l'arc de improvisé hein, de base. Il est très bien l'arc improvisé de base. Ouais. Il est parfait. Comment ça? Elle a toujours l'arc improvisé de base. Tu mens, mais qu'elle a un arc fantôme à plus 14, 2 étoiles. Ah oui, pardon. On s'est défoncé pour que tes archers aient assez. Edenal, tu lui as claqué un vieil arc de pillard plus 18, tout pourrave. Les deux autres, ils ont un arc fantôme. C'est Edenal qui a le meilleur arc, mais bon, on dira rien. Pourquoi tu fais du mal à Monsieur Porc? Et là, la petite qui reste, et puis voilà. Non, ça va te gêner un peu dans le déplacement si tu veux ça. Bah il reste un Taurus à déplacer. Compact. On a un groupe compact. Compact. Il en reste deux. 4 Non, pas, il deux. Quatre, il reste deux ports, il reste deux ports, il reste deux ports. Ah oui, 4 là-haut. Non, nombre d'unités ennemies, t'as raison, il en reste 4. Alors, je sais pas pourquoi il en reste 4. Et je vais décompacter, je vais me cacher par là. Ah voilà, j'en ai trouvé. Et ben t'enverras ton... Ah, il faut juste que je bouge un de mes voleurs pour que tu puisses aller avec Os de Barde taper dans le tas. C'est vrai. C'est pas faux. Ou alors ton Steven. Non, on va envoyer un très gros, je pense. Très gros, ça nettoie. Hein. T'as plus... Juste à bouger un ninja assassin pour me déblayer, genre la lait dominante. Oui. Attends, okay. Je passe mon tour. Tu me déblayes un port et tu me donnes la vision dedans si c'est possible. Ouais, bien sûr. Comme ça, je place le gros. Double gif, on n'en parle plus jamais. Hein. Et je vais aller me placer un peu écarté de ta portée d'attaque. Ouais, sauf que j'ai plus la vision. Ouais, chiant. Non, non, faut pas te mettre là. Surtout pas, surtout pas, surtout pas. Pense bien qu'il va falloir que je me colle contre eux. Ouais, ouais, non, j'essaie de... Ah non, de voir où je peux me mettre. Mais en fait, tu te mets juste sur le côté, c'était bon, mais c'est pas grave, vas-y, reste là. Voilà, comme ça tu l'as. Ok, parfait. Ok, vas-y. Parfait. Je vais même mettre un petit peu plus loin pour être sûr de pas que tu sois pas dans le rayon de gifle. Ouais, parce que la gifle voilà. Elle est grosse. Ça masse, hein. Ça masse. Ça masse. Et l'huile de force qui proc. Voilà, on a gagné foutre de guerre. Non, pas foutre. Foutre. Foutre de guerre. Ah, et on a looté plein de trucs. Dont du cuir. Et ça, c'est pas mal. Je pose vite fait un petit campement. Parce que du coup, on peut affecter quelqu'un. Tu peux mettre Mélanine si tu veux au séchoir radiant. Ouais, je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'on n'a pas des gens inutiles Est-ce
que je te bouge pas plutôt quelqu'un qui est autour du feu de camp. On a besoin de 4 gars autour du feu de camp là. Bah ça génère par gars assigné, ça fois. Génère un de bonheur et donc Et donc on donc là gagne... on génère 15 d'influence par par repos en fait. Ah oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Et elle nous génère un point de par son repos, elle nous génère un point. Ouais. Et lui, le lieutenant signé, portera fièrement la bannière dans le monde. Bon, mon lieutenant, c'est pas que je t'aime pas, mais tu vas retourner couper de la barbaque. Hein. Bah. S'il après. Après, à l'heure actuelle, on a assez de points d'influence pour. Faire en sorte de. D'avoir des trucs plus avantageux. Ça veut dire que. Progrès fulgurant jusqu'au prochain repos, ce qui ne tuera pas les compagnons, les rendra plus forts. Ça veut dire 100 points d'XP supplémentaires. Ah, c'est seulement pour les prochains repos. Ah, oh, je suis un abruti. Pourquoi tu pourrais me dire que je suis un con. T'as fait quoi? J'ai transformé du porc en côte de porc au lieu de le de récupérer les haricots qu'on avait en réserve pour les passer. Dommage, c'est pas grave. Bref, levant le con. Levant le con. Tu sais que la bannière est pas si rentable que ça en fait. Elle sert à rien. Si, mais jusqu'au. En fait, ça, c'est des trucs seulement pour le prochain repos. Ah bon? Parce que moi, il y a juste écrit dessus compagnon assigné, un lieutenant assigné portera fièrement la bannière dans le monde. Fais un clic droit dessus. Ouais. À côté, t'as des trucs résolution. Oui, mais c'est verrouillé ça. Non, tu peux. Maintenant, on a assez de points d'influence. Oui, là, ok, là, on pourrait, mais. Ok, oui. Mais je veux dire, sinon, de base, tu la plantes, elle te sert à rien. Ouais, elle sert à rien. En fait, ça. Tous ces bonus là, attends, gain d'expérience au combat augmenté de 30%. C'est pas dégueulasse hein. Ouais, mais jusqu'au prochain repos, c'est seulement un repos. Ce qui ne tuera pas les combats. Bah oui, mais c'est normal. Bah oui. Non, mais c'est normal. Ouais. C'est parce qu'en fait, ça t'oblige à te dire, bah tant que ton gars il tient la bannière, en gros t'as l'effet en continu. Si tu l'as tenu qu'un soir où t'as campé, si tu le remets pas au soir suivant, c'est fini, t'as plus le bonus. Ouais. Il faut qu'elle soit portée ta bannière. Ouais, mais moi ce que je voulais dire. C'est que il faut le comboter avec la bouffe, ça. Comment ça? Pourquoi? Alors, tu sais, les grands repas, les chocs des cultures et compagnie, ça donne de la dextérité, ça donne de l'expérience, ça donne des trucs supplémentaires. Et ben si tu combottes avec la bannière en plus, tu peux monter très très vite. Ah, il y a le respect de l'adversaire aussi qui peut être intéressant. Je vois pas en fait sur le c'est parce que tu dois me parler très probablement d'un trait particulier et donc je ne vois pas de quoi tu me parles puisque tu m'as pas dit. Mais bon. Non, en fait avec promesse de profit, c'est 50 points de transport supplémentaire. T'as le progrès. Oui, mais t'es en train de parler probablement de quelque chose de précis pour le dire, le coordonné avec de la bouffe, c'est pratique. Oui, bah pour l'XP, c'est pratique par exemple. Je sais plus c'était lequel. Non mais 30% d'XP mec, c'est pratique tout court. Oui, discussion, en fait. Carrément. Allez vas-y, quand t'as prévu d'aller explorer une région et que tu veux prendre le bonus de ramassage quoi. Le choc des cultures aussi. Elle a 50% de chance d'en récupérer une bonus. Ah, c'est beaucoup. Ouais. Ah, le ramassage coordonné c'est costaud hein. Et la soif de co. Ah oui, donc oui, c'est en fait il faut, en fait j'ai même envie de dire mieux que ça encore, c'est de pouvoir jongler entre chacun d'entre eux. Oui. Troupe gagne trouve plus de butin après un combat. Putain. Là quand tu vas taper un fort ou une ou un truc dépestiféré, c'est intéressant. Mais même là dans notre cas, votre troupe est considérée comme n'étant pas recherchée. Si un délit est perpétré, l'effet de ce bonus est annulé. Bah ouais, là, si on serait plus recherché, on pourrait faire descendre la vitesse à laquelle la fatigue de la troupe s'accumule. Ouais, je dirais pas que c'est le plus intéressant. Alors, non, c'est très intéressant parce que, regarde, si tu vas regarder le bonus de choc des cultures, c'est pour ça que je te dis de comboter avec la bouffe, les gros repas, le choc des cultures a pour bonus de 20 de force, 20% de force supplémentaire, 35% de vitesse de fatigue en moins en fait, donc ça ferait qu'on passe à 60%. Oui, tout à fait, mais
Mais pourquoi tu prendrais 25% de vitesse et tu t'assirais sur 30% de gain d'XP? Oui, oui. Non. Vous êtes sérieux, monsieur? Sérieux? Enfin, bref, ça vaut pas le coup de le prendre maintenant, de toute façon. Tu plaisantes? Mais un ramassage coordonné, là, maintenant, tout de suite, c'est utile. Hein. Non, pas du tout. Comment ça? Regarde notre barre de repos. Elle est à moitié entamée. Et alors? Bah, on va pas bouffer 100 points d'influence maintenant. On attend le prochain repos et puis ce sera mieux. Ah, oui. On peut en provoquer un repos, hein, s'il faut. Hein. Oui, si tu veux. Mais surtout, on peut avancer. Ce que je veux dire, c'est que lui, je peux le dégager de la viandasse. Tant pis, tu mets ta fille dessus, là. Ouais. Et je le maintiens sur un drapal. Oh. Et tu vas te maintenir sur le drapeau, mon con, ou ça se passe comment? Mais... Bon, il veut plus. Si, ça y est, il veut à nouveau. C'est bon. Il est à nouveau d'accord. Il veut pas se mettre... Il veut plus se mettre de ce côté-là. Bon, ça suffit, hein. Tu m'as saoulé. Ou ça m'a saoulé. Parce que pareil, les butins, tout ça, ça reste quand même très très intéressant. Et on a poussé la carte jusqu'où? On allait jusque dans le recoin en haut de la mine, là? Je crois pas, non. Allez voir. Où il y aurait un petit... un petit couscous, un machin... Plus de l'iris des neiges. Il y a un petit campement. Oh, la fatigue. Il y a des gens qui traînent dans le coin, là. Oh, oui. Ça a l'air d'être des hommes du... Non, ça a déjà été... on a déjà pillé. On connaît le secteur. Ok. C'est moi, il y a un cycle jour-nuit qui n'existait pas avant. Si, il existe. Oh, il se passe des choses. Ils sont où les monstres là-dedans, là? Là, je les vois, là-bas. Là-bas, au fond. Attaquez. On a plus de fourrure, hein. Allez-y. Oh là, tu vois là le petit 50% de butin là. Ouais, il aurait fait plaisir. Tu l'as pris? Je me demande si même prendre le bon. Ben non, parce qu'on n'a pas dormi, donc je me dis non, ça sert à rien, n'est-ce pas? C'est tout ça. Je suis d'extrême. Mais quand t'attaques une tour de bande. C'est pas ce que tu m'as dit. Pardon. C'est à peu près ce que tu m'as dit. YouTube est témoin. Je suis pas sûr. Tac tac, Sophia. Là, il me faudrait un archer par ici. Où ça? Entre les deux lieutenants. Enfin, les deux lanciers, quoi. Les deux lanciers. Là, il me faut des brutes. Une brute au bouclier. On va te mettre un Zinlen. Allez, du taurus. Sophia, on va la mettre là. Du lourd. Voilà, j'ai mis du lourd sur le bord. On va juste inverser mon mur et tout. Et après, je te laisserai partir tes couteliers. Ouais. J'aurais ramené un coutelier au moins derrière Steven ou un truc comme ça. Ou genre par ici, tu vois, pour avoir un coutelier qui peut partir à gauche, un coutelier qui part à droite. Attends, j'ai pas terminé. Ouais, Dépêche-toi, là, je suis déjà placé là. Secours, hein. Voilà, moi ça me paraît pas trop mal. Sophia va pouvoir venir aider, c'est elle qui a le plus de DPS. 1, 2, 3, 4, 5 bêtes. 1, 2, 3, 4, 5 bêtes, ok. Donc, premier à jouer, ça sera un loup là. Et un cochon. Non, c'est le sanglier. Oui, mais c'est un loup et un cochon qui jouent tout de suite après. Ouais. Et moi, je m'en fous que mon capitaine se fasse engager, il est là pour ça. Il est complètement là pour ça. Les deux loups, là, ils vont passer un sale quart d'heure. Je pense qu'on va les masser tout de suite, hein. Ouais, ils vont passer un très mauvais quart d'heure. Petite huile de force en plus, ça fait plaisir ou pas? C'est toujours plaisant ça. On va ici, on va parler à ce loup. On va lui expliquer qu'on pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises histoires. Adieu. Voilà. Le cochon qui tombe sur le capitaine. 8. Ridicule. Inutile que je tape avec le capitaine. Là, l'idéal c'est qu'est-ce qu'il joue après? Ah, on les voit pas. Ah. Non, on les voit pas. Donc ils sont très probablement dans cette brume à côté de Steven. Je propose de placer Steven en mode agressif, mur de lance. Ouais, et après je place un... Ah, est-ce que je me placerai pas là, vite fait, là? Je fais pas un petit... Tu recules. Ah bah t'es reculé un peu fort. Mais alors c'est quoi les... Le caillou, il est là. Le caillou, il est là.
Je pense que je me mets là. Hein. Ouais, et moi je mets mon Zinlan juste derrière là. Et comme ça j'englobe la zone là-bas. Adjugé. Oh, il a slide. Où est le deuxième? Il y a un deuxième lieutenant et à placer. Hein. Ah ouais. Le prochain à jouer. Alors le prochain à jouer, il est hors champ. Mais ce loop bloque, donc tu peux placer Zinlan soit au sud, soit sur Steve en. Ça qui va. Alors déjà, je vais mettre une flèche là. Elle est gratos. Elle était pas mal. Pour un minable, c'est acceptable. Je vais avancer un peu. Je vais pas me mettre complètement derrière. Et comme ça, j'ai les trois qui sont devant. Et Rhine's Red Eye, ok. Ok, excellent. Voilà. Il commence à être rentable avec la brutalité, lui. Hein. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il joue dans l'ombre et lui dans l'ombre. Je propose de placer un autre lieutenant. Ah, j'allais faire jouer un. J'allais te proposer un. Non, ils sont loin. Ils sont trop loin. Vas-y, un lieutenant. En fait, poser un lieutenant, parce que toi, malheureusement, tes flèches ne les arrêtent plus, ne fait plus rien. Ça ne les a jamais arrêtés. Tu es nul. Ouais. C'est ce qu'ils disent. Voilà. Et j'ai regagné un point. C'est maintenant que tu te décides à tuer des bêtes, quoi. Non, mais c'est insupportable. Bah alors là maintenant c'est pas par exemple alors ah quoi que est-ce que t'as quelque chose qui peut jouer sur sanglier fantôme ou je mets un taurus le sanglier fantôme là-haut. Ouais, je mets un taurus. Oh, mets un taurus. Ouais, vas-y. Je vous sers un taurus. Connaissez-vous la mécanique de la hache? Ah oui, oui, ah, oui. Il l'a oui, bien oui, connu. Oui ah oui, c'était efficace hein. Je bougerai pas parce que mon capitaine il est engagé, donc si jamais t'as un coutelier qui veut aller couteler le cochon qui est au contact avec Ah oui non merde, il y a déjà un porc qui va jouer. Il faut que tu te débrouilles avec le porc qui va jouer. Bonne journée à toi. C'est horrible. C'est là où tu vois que malheureusement les maps ne sont plus du tout à dimension par rapport aux tailles de groupe. Ouais, non mais en fait... Les groupes sont trop gros maintenant. Mais en vrai, et encore, le jeu, t'as vu derrière, il te pousse au cul, il te dit ah, vas-y, prends encore plus de compagnons, ça te fait des succès, ça te fait... monte à 20, quoi. Attends, à 20. On est déjà 16, on sait plus quoi faire. On va rajouter des poneys, hein. Voilà, 52. À la limite, on peut venir ici. Ah, je vais te proposer un truc. Regarde. Tac, 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 tac. J'en ai tué un. C'est un point que... On récupère. Parfait. Comme tu ne vas pas bouger avec mon mur, tu as toujours la riposte. C'est très intéressant. Et je vais ramener tout doucement la Sophia vers le crew et terminer là-bas. Hop. Ouah, meurs. C'est un joli point là-bas où on est. On t'entend pas t'étouffer. Ah bon? Oui. Et là c'est mieux? Oui. Ok. Je vais ramener... Ah. Quelqu'un t'avait tapé? Non, c'est pas moi. C'est le chien. D'accord. Tu peux faire ce que tu veux. Non, est-ce j'avais un connard en contact avec moi, je pouvais le one-shot avec un coup de latte, donc... Est-ce que tu veux que je te débarrasse de ton chien, là, ou pas? Ah, tu fais ce que tu veux. Ah, tu sais, à droite, il y a que des tanks et des DPS. Tank DPS, faiseur de café. En armure ouais. Lourde, ou à peu près. ça va. Après, c'est toi qui vois. Bon, on va faire jouer un Edenal et Edenal. Tac. Voilà. Et voilà. C'est un cochon. C'est un cochon. Et il me reste une attaque d'opportunité à faire. Je vais m'approcher, mais pas trop.
ici. Ouais, mélanine et lieutenant Will, c'est amélioré. Excellent. Peut-être. Tu vas où là? Non, bah, je regarde. Il y a du monde sur le capitaine quand même, à un moment donné. Ouais. Parce que bon, tu feras rien là-haut, donc c'est pour ça que je t'en parle là. Alors, je viens me mettre ici. Donne-moi un point. Merci. Et j'en réutilise un pour le taper et le repousser. Les troisièmes à jouer dans la file. Au moins, il sera ralenti. Pas de soin à donner, c'est bon. Et la dernière attaque. 60 dans ta gueule. Ça devrait être faisable. Et ben voilà. Moult cauchemars sont apparus. Non mais est-ce que le destrier de cauchemar est apparu? Pas non. Encore, c'est au oh, c'est fait douiller. Prochain tour, prochain tour. Oh, c'est fait David. Oh. David qu'est-ce qu'il joue? Alors on a un loup, un cochon. Oh, ce pack de 4 qui vend du rêve, pourquoi il est pas à droite? Ma déception est totale. Est-ce que tu veux me laisser l'opportunité? Je pense que Zinlen va vouloir remettre une pause. Hein, c'est ça, une petite pause. Vas-y, mets ta petite pause. Je fais ça. Hop. Et. Oh, si je la mets comme ça, c'est pas mal. Hein. Attends, là, il y a le mur. Ah ouais, comme ça. Comme ça, ça me plaît bien, moi. Comme ça. Ils sont obligés de se déplacer. Ouais, c'est nickel. Et hop. Toi, tu meurs. Merci d'être passé. Ça fait 1. Avec brutalité, ça, c'est assez rentable en vrai. Là, ça meurt. 63. Les attaques d'opportunité sont assez violentes. Avec les lieutenants, tu te régales. Hein. Alors, ouais. On a un loup qui va nous foncer sur un capitaine. T'as un cochon ici qui va jouer. Y a quelque chose qui t'inspire ou je prends un gros et je vais tabasser, je vais masser deux énormes porcs? Tu peux aller masser deux énormes porcs si tu veux. Let's go. Ah, dommage que t'avais pas la vision et qu'ils soient pas plus près. J'entends gueuler ce type. Os de barde, il a laissé passer. En plus, ça la riposte. Eh bah voilà. Parce que j'ai toujours pas bougé. Fin de tacticien débloqué. Oh. Pas à quoi ça sert, peut-être que ça va nous donner un peu plus de 86. Ah ouais, non, en fait, Zinlan, faut toujours jouer collé à une brute. Hein. Enfin, oui, carrément. C'est obligatoire en fait. Carrément. Parce qu'il passe de nul à excellent dès qu'il est collé à son lieutenant préféré. lieutenant genre capitaine. Insupportable, genre le lieutenant il est juste à côté, il fait t'es nul. Tu sais que tellement t'es nul que même ta mère elle te reconnaît pas, tu sais. Les techniques de motivation du lieutenant, des oppressions. Oppressive au max. Honnêtement, je pense juste faire venir un Edenal et puis taper. Qu'est-ce qu'il joue? Ah, il est loin ce loup fantôme. Okay, ça devrait aller avec Edenal. Ouais, mais regarde. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller alors que là, il y a. Bon, il y a ce loup au loin qui joue. Donc, tu pourrais le laisser se rapprocher. Ensuite, ouais. C'est celui qui est là dans la zone qui joue plus tard. C'est Taurus. C'est celui de Taurus. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que je joue pas à droite? Genre, on n'attend pas qu'ici ça se rapproche et que tu les éclates. Oui. Je déplace Toto. J'ai encore combien de. D'attaques de ça le tue je pas ça. Deux. Ça le tue. Officiellement non. Bah t'as un courroux non? Ou j'ai même mieux que ça, j'ai juste mon attaque de base. Voilà. Ça coûte rien. J'ai juste à me déplacer à côté du gros. Voilà. Lui il va se déplacer gentiment. Il va mourir gentiment. Oh dommage. Tu vois, il s'arrête un petit peu loin. C'est lui qui joue, après c'est lui. Oh, je déplacerai juste. Je te laisse. C'est quoi? Je vais juste te déplacer une Sophia vers toi, vers le pack là, comme ça elle sera utile au prochain tour. Si jamais. Mais il y aura pas de prochain tour. Si, il y en aura un prochain. Je pense pas, il y a pas de troisième vague. Si, il y a toujours trois vagues. Il y a toujours trois vagues. Ah donc ça veut dire qu'on va pouvoir se faire un cauchemar. Génial. Bah oui, on va avoir un cauchemar. On va pouvoir masser un cauchemar, j'espère qu'il sera à droite. Hein. Edenal, il va avancer. J'espère que le cauchemar il est de droite. Hein. Et taper gentiment juste ça. Voilà. Avec la brutalité. On va pas dépenser des points inutilement. Voilà. Lui. Ah ouais, je me disais aussi, je l'avais vu avancer un peu trop là.
Et puis... Bah, il n'y a pas... À part non, si je vais chercher des dingueries avec mes lieutenants, sinon... Bah, replace-les, hein, au pire. Hein. Ouais, je vais replacer celui-là. Ouais. Je vais inciter les autres à venir me chercher, là, mais... ce qu'on peut faire, hein. En plus, t'as deux attaques d'opportunité, toi, maintenant, je crois. Ouais, oui, on est pas mal, on est pas mal. Hein. Et il stop. Oui, il s'est arrêté juste là. Et bah lui, je vais lui faire plier les Gaules, hein, parce que ça sert à rien, hein, je pense. Je remets la zone. Ah oui, puisque tu me dis qu'il y a une troisième attaque. Allez, je vais la remettre. Il y a un autre port. Bah ouais, ouais, ouais. Il est où le dernier chien? Nous, on veut bien, hein, mais y a pas... il est où votre chien? Bon, pas bouger. C'est qui? C'est toi? Pas bouger, monsieur. Voilà. Mon mur, il a fini puis, son tour. Ben, moi, j'ai pas trop grand chose à faire avec mes deux autres persos. Ouais, ouais. Hein. C'est à peu près ça. Ouais. Bah on va rester là. Hop. Et toi, il est dans le coin? Non, il est à droite. Il est à gauche. Il est à gauche, ouais. Ok. Un cauchemar vient d'arriver. Allez, c'est bon, c'est ça, on se barre tous à gauche. Super. Ah ouais. Tout se passe à gauche. Vas-y, j'ai le démon. Je vais te demander... de l'initiative avec Zinlen. Ouais, vas-y, casse-nous tous les couilles avec ton perso nul. Vas-y, ridiculise-toi, on dira rien. Hein. Parfait, là, ça serait nickel. Voilà. Bah, je vais commencer à ramener tous les autres, hein, parce qu'à un moment donné, le cauchemar va falloir le casser, et c'est pas les archers qui vont le péter, hein. Vas-y. Après tu vas être bon pour ramener des ninjas aussi. Des couteliers. Oui, Sophia c'est celle qui a le plus de déplacement donc ça devrait aller. Continuer à ramener du gros hein. Allez. Vas-y. On est plutôt bien avec toutes les attaques d'opportunité qu'on a là. Lui est obligé, il meurt. Le bâtard il s'est arrêté mais comme il fallait. Un autre gros s'il vous plaît. À mon beau mur. Ah si seulement j'avais le grappin avec on avait le grappin avec un gars. Ça tirerait dans la zone d'attaque d'opportunité, ce serait génial. Bah je te laisse bouger parce que moi du coup j'ai plus rien à bouger, hein. J'ai amené tous les gros. Le seul truc qui est bien avec là tout de suite maintenant avec la zone de Zinlen, c'est que les gens dessinent un petit arc de cercle. S'il y avait un gros avec un marteau, hein. Si j'avais un marteau là. Ouais, si j'avais un marteau. Et attends, quand on va avoir lance-poutre et qu'on va le mettre à Zinlen, le taux de dextérité qu'il va avoir, là, ça va être violent. Mais c'est pas intéressant de le mettre à Zinlen. Pourquoi? Parce que c'est un lance-poutre qui traverse les rangs. Et que lui, c'est un passif. Bah oui, mais tu traverses pas les... C'est pas intéressant. Tu vas éclater tes potes qui sont au milieu pour toucher des sangliers. C'est-à-dire que par exemple, non, typiquement, non, c'est seulement son tir de base qui est un lance-poutre. Ça, l'attaque d'opportunité, c'est 105%. Ah, ok, oui. T'as pas le... T'es sûr que c'est pas dans les caracs de l'arc? C'est vraiment que l'action de base? Je te jure, c'est que l'action de base. Okay. Et donc, on va mettre l'excellent stuff au personnage le plus nul du groupe. Ouais, c'est ça, ouais. Vraiment... Ah. Je vais laisser Denal là. Ah cool, très social. Et Denal a chopé le très social. T'as de l'endu qui doit faire des trucs. Je peux ramener mon archer. Ouais bah fais hein, parce que moi mes deux. Enfin ça me fait claquer sinon les points des pour repositionner les deux lieutenants, ce qui pour l'instant donc est inutile. Très utile maintenant. Oh, putain il l'a pas tué. Alors ça c'est un tout. Je peux aller le buter si tu veux. Ouais, vas-y. Toc 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 toc. Bonjour. Et on revient. Oh, c'est chiant, c'est loin. On va bouger donc un lieutenant, parce que j'ai pas trop le choix. Excusez-moi. Vous avez entendu la parole de la lance dans les côtes.
faisait du bien. Pas sûr que ça leur fasse du bien. Mais ouais. Ah, c'est presque dommage que ça l'arrête. Par contre, vous m'avez bloqué les mecs. Hein. Ah, ça marchera pas, ça, c'est dommage. C'est trop T'as pas la course ? Non, t'as pas la course avec lui. Oh, même t'as si je l'avais, je vais pas claquer une course pour ça. Je me remets en position, on tabasse, et puis voilà. Hein. Ouais. Ah, au bout d'un moment, c'est ça. Il y a des volontaires qui se pressent. Ouf ! Vous avez compris pourquoi lui, il est lieutenant, en fait, ou pas ? Est-ce que vous avez tous compris ? Ah. Ça a mal tourné, là. Ah, le petit lien de terreur, là. C'est les deux qui sont l'un à côté de l'autre, c'est les. Allez, hein, faut tuer, là. Faut y aller. Alors, les gros, ils arriveront jamais à l'heure. Bonjour, je suis un gros. Bonjour, c'est un gros. Oh mais le lieutenant quoi, la brutalité. Tu veux replacer un Zinlan? Ouais, vas-y. Vas-y hein. Est-ce que ça vaut le coup que je tombe celui à 1 PV? Non, aucun intérêt. Aucun intérêt. Il est bloqué en zone, il fait quoi que ce soit, il meurt. Par contre, pense qu'il va falloir bouger parce que je vais peut-être pas laisser un lieutenant au milieu. Ah, quoique. Comme ça, ça devrait être pas mal. Et vu le socle du cauchemar, ça devrait être pas mal. Ah, 3 de terreur. Ah oui, j'étais pas à côté oui, de Stevie. Oui, t'avais le lien. Ouais, j'étais pas à côté de Stevie, mais là ça vient de descendre de. Ah, parce qu'il faut être à côté, ça. Ouais, faut que les deux, que toi et moi, soyons à côté. Ok, alors. Bon, moi je peux bouger. Alors attends, je vais bouger Stevie, je vais régler le problème. Et en plus, ça va libérer la place au lieutenant, mon lieutenant. Ouais. Je peux même me rapprocher comme ça si tu veux que tout le monde bénéficie de la terreur absolue. De la brutality. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu veux ramener un gros? Moi, de toute façon, il va falloir qu'on joue tous. Ce que je peux faire si tu... Soit je peux ramener un gros et attendre de voir, de toute façon, ce qu'on demandait, les gros, faut les ramener, de toute façon. Ouais, mais on a 5 joueurs à jouer, là, donc, de toute façon... Oui, c'est ça. Mais bon, voilà, je risque de bloquer ton pack. Voilà. Non, bah, écoute... Merde. Bon, bah, excusez-moi. J'ai merdé. Pas grave. Il me reste quoi ? Mon mur peut aller jusque là. Vas-y. Et non, mais je vais pas forcément y aller, c'est une proposition où je peux prendre le lieutenant Will et aller engager cette merde. Ah, si là. Tu peux l'engager, oui, je veux bien. Bah oui, je peux faire ça. Et je peux aller l'engager. Alors idéalement, moi, ce qui m'arrangerait, c'est comme ça. Parce que ça obligerait l'autre port à marcher dans ta zone. Oui. Ça te va, le dos, ouais, le bac ici, c'est bon pour toi? Okay. Oh, le bac là-bas est très bien aussi, mais voilà. Là, c'est très bien. Vas-y. Ah, et parfait, tu l'engages. Voilà, il est engagé. C'est mon cadeau. Il est engagé. Alors. Une mélanine, tout d'abord. Mm-hmm. Qui a des arguments. Qui a, voyez-vous, des arguments. Elle a des arguments, disait-on. C'est pas mal, c'est pas mal. Le bulle de poison ça est drôle. Ça a coûté quoi? Un point? Oui, parce que t'as la dague qui consomme tous les poisons, c'est ça? C'est ça, ouais. J'ai la dague qui fait que ça explose. Okay. Je vais vite donner un boost à Sophia, car nous avons perdu un point de bravoure. Oh là là! Et le capitaine va venir renforcer son archer, ici présent. Voilà, présentement. Présentement. Parce qu'il le trouve un peu faible. Un peu fragile. Oh. Est-ce que tu veux... Voilà, c'est ça, tirer avec un arc. Tac. Oh la tenue, vas-y, arrasse. Arrasse-le. Voilà. De toute façon, c'était des points temporaires. Pas... Voilà, c'est ça. Ouais. Oula, on a gagné quoi? On a gagné 24 carcasses fantômes maintenant. La carcasse fantôme? C'est de la carcasse, mais légendaire dorée, quoi.
Mais alors, ce qui est formidable en plus, c'est que nous avons. Ah, mon lieutenant est monté en grade. Lieutenant, mon lieutenant. On me propose d'augmenter son crit. Oh. Moi, je. 23% hein, déjà. Hein. Je dis oui. C'est d'accord. C'est accepté. On est passé à 25. Hein. On a quand même une bonne compo crit. On a une bonne compo de cochon. Il faudrait qu'on pose une tente maintenant. Pourquoi on peut pas? Shinai, sors de ta merde. C'est moi qui t'attendais, je te signale. Hein. Non, je ne pouvais pas. Il y avait marqué un tente de Shinai, je ne pouvais pas poser le campement. T'as aucune preuve. La vidéo est une preuve. Toujours la même preuve. De toute façon, dès qu'on peut pas faire quelque chose, c'est forcément à cause de toi. C'est insupportable. Voilà. Et là, ça va être intéressant de déposer. De... Oh, dès qu'on se réveille du repos, ça va être très intéressant de, d'utiliser un point de 100 points d'influence pour. C'est un drame, nous n'avons plus de sel. Grosse. Non, attends. De quoi? Ah putain, il faut retourner chez le. De quoi? Chez l'alchimiste. Qu'est-ce qui va pas? Parce que l'appel à sel, on peut la faire maintenant. Ah, on peut la faire. Formidable. Mais il faudra la faire. Pourquoi ouais, elle est pas faite? Faut aller chez un... Parce que faut aller chez un alchimiste, monsieur. On ira chez un alchimiste. Ouais. Comment tu veux que je te dise de plus? Une picole. Et un chou. Ça me fait plaisir. Ah, il faut deux picoles? Ouais, il faut deux picoles. Ah, on peut refuser une picole. Moi, je dis je refuse une picole. Vas-y. C'est accepté. C'est acceptable. 111 balles versées. On les verse maintenant? Il y a 111 balles de versettes déjà. Non, mais ça s'attendra la nuit. Vous pouvez fabriquer la bannière. Quoi? Pour refabriquer la bannière? Tu peux dire qu'on peut fabriquer plusieurs bannières? Non, je ne peux en fabriquer qu'une, mais ça veut dire que... Oh putain, par contre, on est des débiles. Pourquoi? On vient de se priver du bonus, on aurait dû claquer de l'influence. Mais non, c'est jusqu'au prochain repos, c'est maintenant qu'il faut le claquer. Ah, ah qu'est-ce qu'on se prend, là? Je dirais... T'entends plus. Ah, pardon. Ah, on t'entend mieux. T'entends plus. Ok. Je pense que c'est parce qu'il a plus beaucoup de batterie, mon casque. Attends. Je rebranche le casque. Est-ce que tu m'entends mieux? Oui. Mieux. Je te dirais... Moi, je suis assez chaud pour un butin, par exemple. Vas-y, prends le butin. Parce que par contre, le problème du butin, c'est que ouais, on gagne plus, mais c'est le problème, c'est combien de plus en fait. C'est un peu ce qui me dérange. Bah, on va voir. Parce que sinon, ramassage coordonné. Parce que là, on va aller ramasser des trucs, on va descendre dans le sud où on connaît rien. Ouais, bah vas-y, tu peux. Pourquoi ça passe à 200 après? Que j'imagine que la prochaine fois qu'on voudra le prendre, ce sera 200. Non, c'est une blague. Ou alors on peut les stacker. Attends, on peut les stacker peut-être? C'est une blague. Je ne sais pas. Pouvez-vous réaliser respect de machin? C'est dangereux, hein. On n'a pas énormément de points non plus. À toi de voir, hein. De toute façon, l'influence, on ne l'utilise pas des masses, hein. Si, justement, on a prévu de aller négocier nos contrats un jour, une fois. Ouais, quand on aura de quoi les négocier dans la voie, hein. À l'heure actuelle, on n'a pas ce qu'il faut encore. Bah, le problème, c'est qu'on va aller tabasser des gens, on va revenir et on l'aura, quoi. C'est vrai. Voilà, un croissant de lune. Sur un fond carré, ça me fait plaisir. Sur un, sur une croix. Attends, on peut faire une petite croix, là. Blanche, là. Pff, incroyable. Alors, du coup, il nous faudrait quelque chose de plus stylé. Oh là là. Là, il y a un swag. Oh, une épée. Allez. Ça vous va, monsieur? Logo, je sais pas. Je vois pas ce que tu as fait. Ah bah c'est normal, j'ai rien validé. Tu peux continuer à attendre, hein. Il va rien se passer. On aurait pu prendre le 30% d'XP supplémentaire, hein. On va tabasser des gens. Voilà. Ah, tu viens de le voir. Attends. Pas mal. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on est trop lourd officiel. Ah. Alors déjà, il faut que je te donne ça c'est des globules, ça c'est pour toi. Ouais, les carcasses, monsieur. Oui, c'est comme d'hab, en fait, on aurait dû manger que des carcasses. Ouais. Et le problème, c'est que les carcasses, c'est de la bouffe. Ah. Ça, c'est un vrai problème.
Et si on avait un comptoir? Oh, attends, on a un comptoir où on peut aller déposer notre on merdier. On peut aller déposer ça à la maison. Moi, je propose d'aller déposer nos 24 carcasses à la maison. Ouais. On va pas aller bien vite, hein, mais c'est comme ça. Ah, il y a encore des porcs derrière nous, quoi, s'il te plaît. Il y a des cochons. Allez, encore. Le terrain est pentu, on peut rouler. Avec allez, un petit vent dans le dos arrière, là, moi, je le sens bien. Mais pourquoi pourquoi je bouge plus, moi? Pourquoi mon groupe, quand je clique, ça... Des collisions, hein. Ah, c'est la souris, c'est la souris. Ouais, j'ai l'impression. La pauvre, c'est le bout, hein. C'est le bout. Essaye de courir. Ah, mais attends. Cours, Shinai. Ah oui, c'est vrai. File-moi un truc qui... Ah oui, bah attends. Tiens, dans le coffre. Je cours. Je suis à fond. Attends, Faut qu'on le scinde en deux. Faut qu'on le scinde en deux, normalement. Prends-en... Attends. Je voudrais... Je peux en avoir la moitié, là? Bon, attends, on est arrivé, on s'en fout. Comment j'en cut 5? Je l'ai vu tout à l'heure, putain, j'ai réussi à en cuter 5. J'ai plus... Y'a un raccourci. Ah! Vas-y, cours, Forest, cours! Cours, je crois en toi! Cours! Ah, oh, mais il va courir, oui! Enfin. Voilà, félicitations. Le comptoir. Ah, j'allais aller à la chimie sans problème. Non, mais le comptoir, déjà, je pose mes 24 carcasses, merci. Hein. Pourquoi je peux pas poser? Les carcasses. Pourquoi je peux pas? Elles sont dans le coffre? Non. Non, je. Pourquoi je peux pas? Tu peux pas poser cette merde? Pourquoi? Shinai, pourquoi je peux pas? Ça, je peux? Je peux rien poser, moi. Parce que toi, tu peux poser des trucs. Ah, vas-y, attends, essaie. Je sais pourquoi. Attends, je sais pourquoi. Vas-y, dis-moi. Attends. C'est bon. C'est parce qu'en fait, je cliquais de mon menu à droite dans le coffre. Il faut cliquer depuis le menu qui est un inventaire. Ah, ok, d'accord. Voilà, c'est tout con. On a une garnison. Des trucs. Gérer attends. La garnison. C'est une garnison, la tente, là. Bah, oui, mais je vois pas l'utilité de rajouter des tas de bonhommes sur place, en fait. Je vois pas. Bah, il y aura peut-être une implication plus tard avec des troupes, une milice, machin, tout ça, mais pour l'instant, nous... ouais, peut-être. D'accord, pour l'instant, on n'est pas concernés. Non, qu'est-ce que je veux dire? Je veux pas un campement. Moi, non, ce que nous voulons, c'est aller à l'alchimiste. L'alchimiste qui est ici. L'apothicaire. C'est l'apothicaire, pas l'alchimiste, pardon. Oui, tu veux quoi? Il vous faut quoi, monsieur? Déjà, je crois que c'est toi qui consommes du gras. Tiens, mange du gras. Oui. Il me faut 4 minerais de fer, un de cuir, 3 bois et une corde, alors... s'il te plaît. 4 fer, 3 cuir. 3 cuir, je prends la corde, voler, comme ça sera consommé. Ah bah parfait. Et il me faut 3 bois, s'il te plaît. Et 3 bouts de bois. Ah, bois, on commence à être un peu léger. Ouais, mais là, tu vas aimer. Et j'ai débloqué une nouvelle recette, au passage. Ainsi qu'un point. Oh, le gars, il suit pas ce qu'il faut faire, il fait n'importe quoi, c'est insupportable. Bonsoir. Il aurait fallu attendre qu'on débloque le truc de la connaissance pour augmenter de 50% nos gains de connaissance, Shinai. 50%, ouais. C'est énorme. Alors, je veux juste aller voir ce qu'on a débloqué. Merci pour la pelleteuse. De rien. Ma pelleteuse. T'iras voir ça au camp. Hein. Pendant que moi, je fais des trucs avec ma pelle à gâteau. Ok. Hop là. Tu peux faire des choses. Ouais, vas-y, je regarde ce que l'on peut... Ah oui, bah alors attendez, sur mon cuistot, je vais lui enlever son 5% de critique, là. Est-ce que t'as un personnage qui a besoin d'un 5%... Ah non! Non, parfait. Oh, t'as un équipement oh, de sac à dos. Il est parfait. Par contre, j'ai débloqué une recette, et je voudrais regarder ce que c'est. Mm-hmm. Vas-y. Hein. Et du coup, je peux refaire des plats, des bons petits plats. Eh bien, je crois que j'ai chopé le concentré d'huile de renforcement. Oh, c'est un délire. Oh, Shinai, c'est un délire. De quoi? Tu peux tout faire sans sel, je sais. Oui, mais ils ont pas corrigé ça. Comment ça? Bah, enfin, ils l'ont pas corrigé depuis. Bah, ça veut oui, dire que tous les items cassés sont toujours cassés. C'est ce que ça veut dire. Non, ça veut dire que t'as plus la pelle à sel fait en sorte que t'as besoin de un sel en moins. Oui, un sel en moins, mais je veux dire ils ont pas mis minimum 1. Parce qu'en fait ce qu'ils ont fait, parce que moi en fait oui. Je me suis dit ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait ils ont changé les recettes, genre le ragoût de porc ne prend plus un sel, il prend 2 sels. Bizarre, donc ouais. Ils ont up le coût de certaines recettes qui nécessitent plus de sel qu'avant et je me suis dit tiens, ça va être minimum 1 partout.
Et effectivement, sur les gros plats, ça va me le faire descendre de 1. Non, non, ils ont toujours laissé le jeu en mode cassé. C'est ça que tu réfléchis pas dans ta tête. Sympa. Voilà. J'ai chopé un concentré d'huile de renforcement. L'huile de renforcement fait quoi déjà? Félicitations. L'huile de renforcement, ça permet de réduire de 30% les dégâts. Ok. Voilà. Point de connaissance, on claque sur la vitesse? L'entraînement là? Entraînement d'endu, ouais. Non? Il y a autre chose qui t'intéresse? Plutôt aller chercher dans tes plans, à toi? Ah oui, t'es un génie toi. T'es un génie, t'es un génie. Parce qu'il y a des armes. Bon, les armes à deux. Du bouilli, du poulet. Non, moi je parlais de bouffe, hein, évidemment. Lui est toujours en train de chercher des trucs extrêmement compliqués, de la bouffe. Ouais, non, non, forge de rôle, des plaques d'armure pour poney. Des faucilles de lancer. Je sais pas si c'est intéressant. Par contre, une tarche fantôme, ça a blindos, ça me parle. Hein. Ça a blindos, ouais. Ça a blindos. Ou le set de forgeron 2. Les grosses épées à deux mains, les grosses haches, les grosses massages. Ouais, bon, même si on a personne qui utilise des oui, armes. Oui, c'est ça. On a... si, alors, si on en a un, mais il changera pas son arme pour une de ces armes-là. Non, je crois pas. Non. On a déjà des gros boucliers, donc je suis pas sûr que la tarche fantôme. En fait, ça serait reculé technologiquement, là, actuellement. Bah, ce qui nous la concerne. La tarche fantôme, faudrait la faire pour aller chercher la targe qu'il y a en dessous du set de forgeron confirmé 3. Qui va être débloqué avec, je pense. Oui, mais on a aussi les boucles de rechange dans ton atelier que tu peux déjà faire. Oui, mais ça, c'est le pas malus de mouvement des armures. Ou les aiguilles. Oui. Oui. Il y a la louche de cuisinier. Oh, la louche de cuisinier a une chance de récupérer une partie des ressources utilisées en cuisine. Ah. Où ça? En bas, tout en bas. Tout en bas. Attends, il y a autre chose aussi qu'on oublie. Il y a ton mannequin d'entraînement hein, qui peut être amélioré aussi. Et le séchoir à viande. Tout en bas. Je suis sûr que tu vas l'aimer celui-là. Et c'est où? Va voir tout en bas. Je suis tout en bas. Mais là, tout en bas de qui? De quoi? De la chimiste. Tout en bas du forgeron. Ouais, du forgeron. Le forgeron, il peut faire des gamelles. Ouais. Get Ashton. Bizarrement, il a envie là. Allez. Il a déjà pris. Bah ouais. Eh, il nous reste du gras. Parce qu'en fait, pour faire. J'ai jamais fait de renfort du renard. Et il faut juste du gras. Tiens, j'en ai un peu. Allez, on va faire un petit tour au. Oh. Ouais, super. On aurait pu en avoir un petit peu plus quand même. Hein. Tu récupéreras des cordes volées avant de. Au lieu d'utiliser les cordes normales. Je crois pas que j'utilise de cordes, mais vas-y, je vais regarder. Et pour la louche, si tu utiliseras des cordes. Ah. Prenons un forgeron. Un grand falchion en fer. Ok, super. Donc, le renfort du cerf, on a dit que c'était pas fait. Et renfort du non, cerf. Non, c'est le renard que t'as pas fait. Oui, renard. Du gras, du cuir blanc et matériaux bruts. On a tout. Let's go, get forged. Bon courage. Voilà, c'est fait. Nous l'avons. Nous l'avons, c'est forgé. Nous sommes en train de gaspiller tous nos points, précieux points d'XP. C'est, t'es sûr que tu veux pas qu'on dépense 100 points, là Bah, vas-y, hein. Ce que je suis en train de me dire, on est en train de tout gaspillader, hein. Dans le gaspillon. Main gauche, ce sont les armes de jet. Ok, qui sont rangées dans main gauche. Ah, dommage. Bon, après, on en a un qui en utilise. On en a plus d'un qu'on utilise. Hein. On en a plus d'un. Taurus, Sophia et Mélanine. Ouais, et les couteliers, le tes deux couteliers et Taurus. Ouais. Et très certainement plus tard. Mais attends, je l'ai débloqué cette tech là. Okay. J'ai en train de me demander, j'ai la louche de cuisinier, mais alors par contre je sais pas où est-ce qu'elle est rangée dans la forge. Hein. Ah, ça doit être moi qui dois pouvoir la construire. C'est bizarre, pourquoi ils l'ont mis dans le savoir des forges lol. Accessoire de sac à dos, non c'est bon je le vois. Ah, il me manque un bon char, je vais acheter un bon char. Vas-y, tu peux vendre aussi les pierres précieuses qu'on a à choper. C'est vrai. Ça fait toujours un petit billet. Oui, carrément. On n'aura pas ramassé d'autres conneries jetables, hein. Non, on n'a pas tapé des. Ah, moi j'ai des antiquités à vendre si jamais. Bah, t'étais parti pour faire une collectionnette aiguë de tes trucs. Ouais, y'a moyen. Louche de cuisinier. Oh, est-ce qu'un hein. Voilà. Au revoir, madame. Pourquoi tu l'as pas fait du coup? Non, je l'ai pas fait. Ça me.
Ça me fait trop de mal au cerveau, Shinai, ce qu'on fait. Non, c'est plus possible. Je te laisse faire ce que tu veux faire et je pense savoir ce que tu veux faire. Oui, tu sais très bien ce que je vais faire. Attention, votre troupe commence à être fatiguée. Les résolutions durent jusqu'au prochain repos. Hein ? Notre troupe, elle est fatiguée ? Ah oui, notre troupe, elle est fatiguée. C'est pas grave. Notre troupe peut être fatiguée, mais elle est fière et forte. Nous sommes en attente de Shinai. C'est écrit en bas à droite. Attends. Ouais, mais attends. Alors attends, est-ce qu'on a les deux effets cumulés Je sais pas s'il y a les deux effets. À première vue, les deux effets sont cumulés. Hein. Ouais, oui. Cette résolution est déjà active et déjà active. Ok. On ne sait pas adapter Tirailleuse comme surnom. Ok. D'accord. Donc on a dit le Forge LOL. Ouais. Parce qu'il a de l'humour avant tout. Ici. Ok, le monsieur là, tac tac tac, on scroll, Elder Scroll, et c'était dans les outils de sac à dos. Accessoires de sac à dos. Forged. J'ai une bonne grosse louche. Si tu veux, je peux même aller faire de la poudre aveuglante, après, si tu me donnes 4 de cuir. Carrément. Carrément, on vient d'activer le bonus, c'est le moment de se régaler. Hein. Allons à l'apothicarius. Ouais. Ou pas. Il me faut 4 de cuir, s'il te plaît. Alors déjà je te remets les cordes chourées. 4 cuir. 4 cuir. 4. Merci. Alors. L'autre d'abord... Chat, il est pas content. Ah, je te rends le gras aussi. Je te rends l'autre gras, monsieur. Pourquoi je peux pas faire la. Ah si voilà. Et tac. Ah mince. Hop. La poudre aveuglante. Et du coup on a gagné un point de connaissance. Et je vais devoir faire quelques petits achats. Et moi j'insiste, je pense que des aiguilles là on a les moyens ou des boucles on a les moyens. Oui oui non mais moi c'est. Il y a d'autres choses qu'on peut faire. L'atelier plus, la tente plus. Ouais. Le poteau mais d'attelage plus, la marmite plus, qu'est-ce qu'elle fait la marmite plus. Oh, elle réduit la quantité de bouffe. Et bonus, la recette donnant des bonus ont 15% de chance d'être délicieuse. Je pense que ça change mais ça va être cool. Ça doit être très cool. Je viens de passer tous les coussins. Volés. Voilà. Ah ok, t'as tout transformé, ok. Prends de la marmite ou bien? Ouais, je vais faire la marmite. Je vends juste les remèdes que j'ai fait en rab. C'est vraiment juste pour le plaisir, la marmite, quoi. Non, c'est pour générer de l'XP. C'est acheté. 1, 2, 3. Hop, j'en ai un de trop. Hop. Y'a un chat pas content. Et ensuite, ça te demande... Pourquoi je vois pas... Ah ouais, 6 de bois. Et donc tout le bois. Et tout le bois. Nous n'avons plus de bois. Félicitations. On attend Dr. Frank. Oui, j'étais en train de te fournir là tes ressources. J'étais en train de prendre de l'avance. Voilà. Par contre, qu'est-ce que fait l'atelier plus? Question con. Je ne sais pas, mais je m'en fous. Trop tard, on a tout dépensé. En fait, non, parce que si l'atelier plus te permettait de... améliore les bonus, et l'atelier plus, c'est... vous pouvez démanteler les armures, accessoires... peu précieuse. Oh, ça c'est intéressant ça par contre. Oh, je suis tellement emmerdé. Quoi? Le problème c'est que je peux pas équiper mon chef cuisinier et d'une pelle à sel et d'une louche de cuisinier. Oui. Il faut choisir monsieur. Ouais, on t'entend plus. Oui, on fera des choix. Bah, selon l'importance de la recette, nous ferons des choix en fonction de. Inintéressant. Carrément. Alors voilà. On est bon? Oui! Elle a fait cette marmite? Oh, oui! Elle est légendaire maintenant. J'ai presque envie de faire du pain pour voir à quel point elle est légendaire, mais je pense pour que. Avoir pour avoir du pain béni! Je pense que pour fêter ça, il vaut mieux aller au marché les voler. Bonsoir à tous. Toi, est-ce qu'il y a des choses intéressantes à te voler? On pourrait t'acheter des marchandises. Ouais, c'est vrai. Faut les acheter parce que les voler c'est pas du tout rentable. C'est ça, ça coûte un peu cher. En plus ça tombe bien, on est un petit peu trop léger. Ça va peut-être faire ma tête, mais parce que... Ah, comment ça... Madame Maris, bonjour. Vous avez pas l'impression d'avoir un petit peu trop de ressources? On va peut-être lui acheter. Ah, tu veux lui acheter? Oui, non, bon, on n'est pas non plus sur la paille. Voilà, c'est histoire de faire d'une pierre 12 coups de midi, hein, qui dirait l'autre. Le sel, pourquoi t'en as racheté? Je croyais que t'en utilisais plus. Si, pour les recettes qu'on mange deux.
Ah oui, J'ai des recettes qu'en mange deux, monsieur, et j'en ai quand même un certain nombre. Alors, mais surtout, on fabrique surtout ça à la base de porc, mais. du coup, tu Du coup, du coup, du vas coup. Oui. tu vas prendre la louche pour avoir une chance d'économiser ou pas? Que ça veut dire que tu peux économiser le sel, mais aussi le porc. Tu peux Alors, en aussi fait, sur utiliser. les grosses, je préfère ne pas économiser le sel. En fait, l'intérêt, là, c'est effectivement de faire les transformations gratuites Ouais, avec d'accord. le sel. Mais là, par exemple, je peux faire 3 ragoûts de porc. J'ai 12 sels. T'as pas des haricots? Si, si, j'ai des haricots, j'en ai 6 aussi. Y a pas de problème. Ok. Non, ce qui va me manquer là, c'est le porc. J'ai plus assez de porc. Ok. Et je vais voir en fait ce que je peux faire. Donc, je vais remplacer. Là, je vais prendre la louche pour faire ça. Tac. Ouais. Tac. Je prends mon gros monsieur. Paf. Donc là, je vais en fabriquer 3. Les 3 que je peux fabriquer. Qu'est-ce qu'il me dit? Et je sais pas ce que je me suis fait rembourser. Ah, visiblement, officiellement, je dirais même rien. Ah, Et là, je dommage. reprends mon gros. Non, je voudrais juste. Voilà. Mon taurus. Tac, je lui remets sa petite pelle à sel. Tac, on retourne là-dedans. Et on peut faire 20 pains. Mais on n'a pas l'intention de faire le moindre bout de pain. Ok. Puisque Eh le bien, pain, ça partons. pèse hyper lourd sa race. Non, pas tout de suite. Ah bon, t'es Laissons sûr? passer les forces de l'ordre. Après, on est là, Barre-nous! hein. Pas Eh, oui, mais dérangeant. quand même, hein. J'ai pas envie qu'ils se mettent à nous courir après gratuitement. Des Les esclaves! bandits! Ouais! Chargé! Mon éternelle récompense! Je les ai pris par derrière. Bien le bonjour, cher confrère, mais qu'est-ce que je fais? Je détrousse les cadavres, pardi. C'est pas bien de détrousser les cadavres. Vous avez fait pareil avec beaucoup de vos propres victimes. Oui, mais alors, comme elle l'a signalé, il y avait propre dans l'information. Moi, je pense qu'on la dégomme, hein. Ouais, on la dégomme. Si on est niveau 5, on est niveau 7. Oh, on On les est fume peut-être niveau tous. 10. On est Voilà, niveau 10. attends, est-ce que ça serait pas le moment de dire à YouTube qu'on se retrouve dans un autre épisode? Eh Histoire bien, que moi YouTube, j'ai plus de attends. contenu. Vas-y! Tu Du veux pas un contenu épisode de YouTube. 4 heures? Des Du contenu bisous. YouTube. Non, non, Allez, des des bisous. bisous.